il voulait faire de moi un brillant officier. Mon père me voyait déjà officier de cavalerie, mais malheureusement, j'avais aucune disposition pour les mathématiques. Et en guerre lasse, on a dit qu'il faut laisser cet enfant faire ce qu'il aime, c'est-à-dire de la peinture. Quand je suis entré chez un grand dessinateur de l'époque qui s'appelait Luc-Olivier Merson, qui était très, très académique. C'est lui qui avait fait le billet de 100 francs. Et il était soi-disant un élève de M. Hincke, il admirait beaucoup M. Hincke, et il fallait chercher la ligne avant tout. Mais son dessin était un peu maniéré, un peu élégant, il ressemblait plus au dessin de Paul Baudry qu'au dessin de Hincke. Aussi, je n'ai pas suivi ses conseils. Et comme je m'entêtais à faire des dessins avec contraste de lumière et d'ombre, il entrait dans de grandes colères. Et si bien qu'il a dit un jour qu'il ne me corrigerait plus, et il m'a fait dire par le massier de l'atelier que comme j'étais un mauvais exemple, il valait mieux que je quitte l'atelier. Ma famille a été effondrée, on a dit ce pauvre enfant, voilà qui ne réussit pas dans la peinture. André Dunoyer de Segonzac naquit le 6 juillet 1884. En 1909, il fit sa première exposition au Salon des Indépendants. 1914, exposition d'ensemble à Paris. 1929, Londres. 1935, New York. André Dunoyer de Segonzac expose à Londres chez Wildenstein en 1939. À Paris chez Charpentier en 1948. À Genève en 1951. À la Royal Academy en 1960. Il ne fit partie d'aucune école. Il est Dunoyer de Segonzac, peintre et graveur. J'ai fait le portrait d'Ida Rubinstein. J'ai fait aussi celui de Thérèse d'Orny dans sa loge au Casino de Paris. La gravure à l'eau forte est pour moi un moyen aussi spontané que le dessin. D'après André Gide. Je gravais lui directement. Six mois après, je l'ai rencontré dans la rue et il me dit, mon cher ami, mon cher Segonzac, il était un peu sentencieux, je n'aimais pas beaucoup les tableaux, les gravures que vous avez fait de moi. Mais je dois vous avouer que je commence à m'y faire. Car je dois dire que dans tous les portraits que j'ai faits, je n'ai pas toujours eu beaucoup la sympathie des malheureuses victimes de mes portraits qui trouvaient soit comme Isadora, que j'avais fait trop grosse, soit comme Colette, que j'avais vue comme une ébouriffée, elle m'avait une ébouriffée. Colette reculait le plus possible l'heure de son travail. Je la voyais faire sorte d'à côté, elle tuait des mousses avec une espèce de tapette, là, et elle épuisait ses chiens, et enfin, à 4 heures, elle se décidait à se mettre à son petit bureau dans un angle de la pièce. Et alors, elle s'y collait vraiment pendant 3 heures d'affilée. Arrivée 7 heures ou 7h30 du soir, elle en avait assez fait. Et alors, elle disait, en voilà assez pour aujourd'hui avec son bon accent bourguignon. Quand j'ai illustré le Bûcher de Montparnasse, j'ai tâché de créer l'atmosphère de ce livre très douloureux, très pénible qui se passe du trottoir à l'hôpital. Et surtout gravé dans des chambres d'hôtel misérables de la rue Saint-Denis. Je ne suis pas un sportif convaincu, mais plutôt un simple voyeur du sport. Néanmoins, j'ai fait de l'escrime. Je faisais de l'épée chez Paul Poiret.
Il y venait Marie-Laurencin. C'était une salle d'escrime un peu mondaine. Marie-Laurencin, qui était très myope, faisait de l'escrime avec son face-à-main de la main gauche et un fleuret de la main droite. Si j'ai mené une vie très parisienne, dans les premières années, de jusque à la guerre, j'ai mené une existence vivant beaucoup, allant au théâtre, allant fréquentant les bars, la mode. J'allais aussi chez Maxime, enfin j'étais fréquemment. Cette existence-là, elle était très passagère. Mon premier amateur a été Paul Poiret. Je fréquentais beaucoup les salons de Poiret, qui était un très bon ami à moi. Ce grand couturier qui était une qui a laissé le souvenir d'un personnage légendaire, qui avait bouleversé la robe des femmes, qui l'avait déplacé la taille, qui avait fait ses jupes culottes, ses turbans et tout ça. C'est Paul Poiret qui m'a acheté un tableau qui s'appelait Les Buveurs. C'était deux vieux clochards que j'avais peints dans une auberge. Je pourrais dire aussi qu'il y a Émile Verhaeren, les premiers dessins que j'avais fait 10 ans de radin quand avait touché Émile Verhaeren, le grand poète. Et il était venu m'acheter un dessin d'Isadora. Et je me rappelle, lui, il était monté à mon atelier, il s'appelait des arts à ce moment-là. Et il m'avait acheté ce dessin pour 100 francs et j'en étais très fier. Après ça, j'ai commencé à être plus connu et j'ai vendu quelques tableaux à des grands marchands de tableaux. Notamment, il y en a un qui a été chez Essel, chez Jos Essel. C'était deux figures de femmes nues étendues au bord d'une rivière et que Essel avait exposé dans son château au Clay, au château des Clays, à côté de derrière Versailles. Forain était en visite chez les Essel, aperçut ces deux grandes filles vautrées au bord d'une rivière et qui avaient l'air de dormir, et il dit toujours avec sa voix très longue, mais voilà les deux noyés de ce Ronzac. Car Forain s'est toujours un peu moqué de moi, j'étais très ami avec lui. Et il critiquait, il n'aimait pas beaucoup toujours ce que je faisais. Et il parlait de mon dessin. Un de mes amis, qui m'a répété, il disait à notre bon du noyer, il fait un dessin. Il met 8 ou 10 traits. Mais forcément, dans le nombre, il y en a un de bon. Paraît-il que Picasso aurait dit de moi, mais ça, on l'a répété, ce peintre, pas une femme comme une cruche. Il trouvait probablement que mes femmes, un peu rondes, avaient les formes de cruche. Et voilà un mot qu'on m'a cité de Picasso. Mais enfin, en général, j'ai pas eu beaucoup de malveillance chez les peintres. Solitude. J'ai jamais travaillé dans des groupes d'artistes, j'ai toujours été un cas isolé. Ma vie de peintre a été pour moi une joie prolongée. Tout enfant, le dessin sur mes cahiers de classe était pour moi un enchantement. J'ai prolongé cette joie toute ma vie. Je peux dire que le fait de passer une journée à travailler seul dans la campagne est pour moi suffisante pour me donner une joie infinie. J'ai vu dans mon entourage une foule de gens qui courent les plages de la mode, qui vont au théâtre, dans le monde, etc. pour se distraire et qui s'ennuient mortellement. Moi-même, en restant seul devant le beau spectacle de la campagne provençale ou de celle d'Île-de-France, en regardant des rivières, des arbres, un beau ciel, j'ai passé une vie enchanteresse et je ne regrette rien.